Réalisons ces foulards avec l'aiguille à coudre. Bien-aimé, yakatotonga foulard oyo na maboko. Pour nako réaliser ango, ozana besoin kaka ya tonga ya maboko pe singa. Voilà, nous allons réaliser le foulard que vous voyez. Nous allons le réaliser avec l'aiguille à coudre. Voilà, nous allons le réaliser avec nos mains. Vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Nous allons commencer notre coupe. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine publication. Ciao. Je vous demande juste de vous abonner sur ma chaîne YouTube Wivine Mobindi officielle et surtout de partager pour que nos bien-aimés qui ne sont pas connectés, qui n'ont pas vu la vidéo puissent en bénéficier aussi. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve à la prochaine publication. Ciao. Shalom bien-aimés, la longueur de mon tissu est de 2 mètres 16 cm. Marquez le mauvais côté de votre pagne ou tissu et tournez pour obtenir la mesure exacte. Là, notre mesure est de 22 cm. Nous allons passer au repassage et à la coupe. Avant de tourner notre tissu, nous allons coudre d'abord. Voilà. Après la couture, nous allons tourner notre tissu pour ensuite repasser. Après repassage, de retour à la ndenge ya libanda, élastique na biso kokota awa. Voilà. Et toujours kota esko élastique na biso. C'est vraiment très facile. Abonnez-vous massivement à Wivine Mobindi. Wivine Mobindi.